j'espère que vous allez tous très bien et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau bricolage. Aujourd'hui, je vous ai préparé une activité toute simple. Il s'agit de fabriquer un bilboquet. C'est un jeu d'adresse à la fois économique et ludique, réalisé avec des matériaux de récupération. Donc, encore une fois, nous allons entrer dans le monde de la récup et du détournement. Le but du jeu est de faire sauter le petit poisson dans la bouteille en tenant le bilboquet à la base. Pour réaliser ce bricolage, il te faut une bouteille d'eau vide d'un litre et demi, un œuf surprise, de la ficelle, de la colle, une paire de ciseaux, des feuilles de couleur et des yeux que tu vas dessiner et découper. Avec papa ou maman, coupe la bouteille d'eau pour ne garder que la partie supérieure, celle avec le bouchon, qu'on va appeler le bocal. Avec les ciseaux, perce le bouchon de la bouteille pour y passer plus tard la ficelle. Sur les feuilles de couleur, dessine puis découpe les différentes décorations du bocal. Tu peux dessiner par exemple des algues, une étoile de mer, des poissons. Il faut que tu dessines aussi les nageoires et les yeux du poisson, c'est-à-dire la capsule en plastique que tu vas accrocher au fil. Après avoir mangé le chocolat, garde la capsule jaune sans la surprise. Avec les ciseaux, perce un trou dans la capsule pour y faire passer la ficelle plus tard. Décore ton poisson en y collant les nageoires et les yeux. Décore ensuite le bocal avec toutes les petites décorations en papier. Coupe un morceau de ficelle d'environ 40 à 50 cm et insère chaque extrémité dans le bouchon et dans le poisson. Puis fais un nœud de chaque côté. Enfin, fixe le bouchon à la bouteille et referme la capsule. Et voilà, ton bilboquet est prêt. Tu peux maintenant tester ton agilité et t'amuser. Quant à moi les enfants, je vous dis au revoir et à bientôt.